Hey, bonjour à tous et bienvenue sur Transport Fever. On reprend le let's play aujourd'hui. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, concernant les deux FPS. À l'épisode... Oula, attendez, bougez pas, c'est moche ça. Voilà. Mieux, ça me perturbait. Voilà, c'est plat, c'est mieux. Donc à l'épisode précédent, je dis que j'ai essayé de trouver la solution. Alors du coup, entre les deux épisodes, j'ai essayé de vendre les ribs. Et puis... j'avais envoyé vers le dépôt pour qu'elle se fasse vendre. Et puis non, quand même, c'est vraiment chier de les vendre. Alors du coup j'ai annulé. Je dis je vais laisser tourner le jeu quand même. Je vais réessayer, peut-être que c'est passé ou pas. Donc j'ai laissé tourner le jeu et bah miraculeusement c'est passé. Du coup j'ai plus les shoots à 2 FPS. C'est disparu comme c'est venu, c'est-à-dire en faisant rien. Voilà. Donc tant mieux, on va pas se plaindre hein. On va pas se plaindre. Et autre chose. C'était un peu le bazar là sur les lignes. Sur celle-là, sur hop, sur ici, voilà, sur Limoges, c'est bien Limoges, hein, ouais, c'est Limoges, c'était le bazar. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des signaux un peu tout le long, d'ailleurs, celui-là, il est sens unique, hein, voilà, merci, j'ai mis des signaux tout le long, j'en ai mis de là et de là, pour faire en sorte que ce soit plus fluide, quoi, peut-être que c'est ceux-là, en fait, qui ont fait que ça, c'était le bazar, bah bon, c'est pas grave, du coup, je les laisse. C'est pas gênant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, bah du coup, vu que le jeu a tourné, regardez ça, on est dans le positif. Plus de prêts, on est à 22 millions. C'est génial. En plus d'avoir débloqué cette situation, ça a fait en sorte que l'argent rentrait encore plus facilement. Donc, c'est beaucoup mieux. Et aussi, ce que je vous ai montré sur le Discord, pour ceux qui sont sur le Discord, c'est que j'ai fait. J'ai perdu où il est. J'ai fait voilà un petit une petite ville, on peut même dire, à l'endroit que j'avais dit que je serais peut-être une ville. Du coup, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était un peu vide. Et maintenant, ça justifie que la ligne passe par ici plutôt que de passer par Blanzy quoi. Là, au moins, là, on a une justification de cette ligne là. Et il y a du monde en gare hein, à chaque fois. Faut que je mette des trains supplémentaires, des trains plus longs. Mais bon, ça, on verra peut-être plus tard. On va voir comment on peut faire. J'espère que cette ville vous plaît. J'ai essayé de mettre des textures au sol pour faire des chemins. Je sais pas ce que ça rend, mais bon, je trouve que c'était un poil plus fin que les routes, donc c'était plus sympa, mais ouais, je sais pas. Là, j'ai essayé de faire un quartier un peu plus avec des immeubles, un peu plus moderne ici, et après plus ancien. Plus on s'approche de la gare, plus c'est ancien. Et là, on a des petites maisons basiques. Donc voilà pour cette ville, j'espère qu'elle vous plaît. J'ai pas donné de nom encore, pour l'instant c'est encore Nogent, je crois, c'est ça. Ah non, Nemours Ouest, voilà, faudrait que je trouve un nom à la gare pour renommer cette ville-là, et bon ça j'y ferai plus tard. J'y ferai, si vous avez des noms quand même, n'hésitez pas à les donner. Hein. Même des noms réalistes, vu que c'est sur Transport Fever, c'est des noms réalistes, si vous mettez un vrai nom de ville, n'hésitez pas à me le proposer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la ligne. Voilà, celle-là, et donc on doit aller à Dinard, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, mais on va essayer d'y arriver. Hop, voie à grande vitesse. Là, l'avantage, c'est qu'on a l'argent. Comment je peux faire là? Faudrait que je tourne. Hop, voilà. On va rester plat. Un tunnel? Non, pas un tunnel. J'ai dû se mettre là comme ça. Je vais mettre un tunnel parce qu'on va redescendre après et un tunnel c'est moche, ce serait moche. Voilà, là comme ça. Parfait. Hop, est-ce que j'ai les aiguilles après? J'ai les aiguilles après, ouais c'est bon. Nickel. Hop, donc voilà. Et là... On fait une tranchée. Ouais, ça peut être sympa. Hop, comme ça. Et là, on supprime. Ah, ça me fait un tunnel carrément en fait. Il ressortirait où? Il ressort trop loin. Non, c'est moche.
Bon, on va faire comme ça, hein. Hop, voilà. Et là, on met un pont. Ça passera le pont, ouais, ça passera. Hop, on prend ça. Nickel. Alors, maintenant, là, pour descendre, faut longer la route, je pense. Moi, je ferais bien peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que là, ça passe? Est-ce que c'est joli? Ouais, ça peut être sympa. On va mettre un pont. Non, pont comme ça, ouais. Hop, on prend l'autre voie. Hop. Là, tunnel. Là, hop. Alors, faut pas faire comme ça. On va prendre notre voie plutôt. On va prendre celle qui est là. En vrai, on pourrait faire ça et ressortir là. Mais non, ça va faire moche. Alors là, on va se mettre. Je veux pas qu'on soit à côté, ok. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement, on va faire ça comme ça. Voilà, parfait. On n'a pas le choix pour ce tunnel là, malheureusement. Voilà. Et est-ce qu'on peut mettre 4 voies? Ouh, bah non, non, clairement pas. C'est pas grave, on va faire juste un raccord. Comme ça, voilà. Hop, on met les petits signaux. Non, pas dans ce sens-là. Ah là là. Ah là là. Voilà. C'est celui-là qu'il faut supprimer. Non, c'est autre, ok. Alors, hop, hop, hop. Sens unique pour tous. Donc toi, sens unique, voilà. Toi et toi. Voilà. C'est bon. On va supprimer l'arbre qui est là. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que la ligne est finie. Et donc après ça ira jusqu'à Arvanche. Mais je crois que la gare est complète à Arvanche. On n'a plus de voie de libre. Ah si, encore une. Ouais mais d'ailleurs elles sont mal réparties les voies là. Elles sont mal réparties. Voilà, comme ça c'est mieux. Non, attendez, en fait la 1 on va la mettre à la 3. Non, c'est pour ça que je vais faire. Hop, terminal. La 1 à la 3. Voilà, et là je pense qu'on est pas trop mal. Ouais, on est bien. On est bien, on est bien. Alors, donc nouvelle ligne. Ah, sauvegarde automatique bien sûr. Hop. Alors, nouvelle ligne, on va partir de ici. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on s'arrête là? C'est pas nécessaire de s'arrêter là. Ouais, si. Si, si, on va s'arrêter là. Hop. Pour les correspondances, on va s'arrêter, c'est pour ça. Ensuite, on passe là. Ensuite là. Là. C'est assez grand hein, cette ligne, voilà. Terminé. Hop. Hop.
Voilà. Et on redescend. Parfait. Il y a 10 arrêts quand même, hein, c'est grand. Et donc là, tu iras à... à cette voie-là. Parfait. Bah écoutez, c'est bon. Je suis pas trompé dans les signaux là-bas que j'ai mis. J'ai un doute. Non, non, ils sont bons. Ok. Bah voilà. Et maintenant, on peut acheter les trains. Alors, mon dépôt, il est là. Ah, par contre, le dépôt qui est mal tourné, comme d'habitude. Bah, c'est pas grave, hein. Alors, acheter des trains, qu'est-ce qu'on va se prendre? On a un peu de sous, là, on a 30 millions. On a de quoi faire un outil multiple, qu'est-ce qu'on a? Ouais, rien d'intéressant. Alors, en locaux. Locaux. Ah ouais, 22 200, ça peut être sympa. ~26 000 aussi, ça peut être sympa. Non, j'aurais bien 22 200, on croyait plus. Ça peut être sympa. Alors hop, ça, ensuite wagon. Ouais, c'est dans wagon les voitures. On va en prendre, c'est combien? 2 millions. On en fera un emprunt, je pense. On va mettre au moins 4 caisses. Ouais, 4 pour l'instant, ça sera très bien, mais on va mettre 2 trains. Et donc celui-là, je veux le copier. Pas assez d'argent. Je fais juste deux petits emprunts ou 3. Ah, ok, bah 4. Ah bah ok, bah 5. Combien elle coûte cette rame? On va monter à 20 millions, ça devrait passer à 20 millions, voilà. Je rembourserai après, hein, rassurez-vous. On est vers le bas de l'emprunt, donc c'est bon là. Desservir tout. Ah, j'ai une qui sont pas renommées par contre. Faudra les renommer. Alors, hop. Ligne 1. Elle est vide la ligne 1. C'est quoi cette ligne 1? Ok. Elle n'existe pas, on peut la supprimer. Et ligne 2, ce sera train 9. Ouais. Train 9. Oula. Voilà. Et du coup, ils partent tous les trains là. Ils font demi-tour tout seul? Ah, c'est cool s'ils font demi-tour tout seul. Ah non? Non, ils partent dans l'autre sens. Je peux y passer du coup l'autre. Je sais pas, c'est bizarre. Il est déjà sorti ou pas du dépôt? Peut-être qu'il est pas sorti. Ah, il est pas encore sorti, ok. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Allez, est-ce que tu veux que tu passes? Du coup, il y aura quand même pas mal de trains sur la ligne qui est là. Ah, c'est bon, quitte le dépôt. Hop, on le fait tourner. Parfait. Et bah du coup, on va se mettre dans sa vue. Oula, par contre là on est à 6 FPS, mais on va dire que c'est normal, c'est le jeu ça, c'est pas les modes. En tout cas, je suis bien content qu'il y ait plus ces chutes de 2 FPS. C'était vraiment très très chiant, et c'est parti d'un coup, alors je sais pas pourquoi c'est parti d'un coup comme ça, mais... Bah écoutez, je vais pas me plaindre, hein. Donc là, on est en route vers Dinard. Il
Le bateau qui traverse le pont, c'est génial. La petite cheminée qui passe au-dessus des voies, normal. Alors s'il y a besoin, je voudrais des signaux aussi sur cette portion-là. Parce que je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour mettre plus de trains. Est-ce qu'on prend des passagers ici? On a déjà un passager, hein, remarque, c'est pas mal. Non, on prend personne, je crois. Ouais, on a pris personne, c'est super. Oula, il y a un arbre en plein milieu de la voie là, par contre, on va le supprimer. Ah, mais je suis bête, j'ai pas mis les signaux. Oh, le boulet. Le boulet. Hop, voilà. Il me semblait que j'ai oublié un truc. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, j'ai bien fini si vite la ligne. Hop. L'aiguille, elle est où? Elle est là. Hop. Voilà. Alors, donc toi, sens unique. Toi aussi. Voilà. Oula, ça fait beaucoup de zigzags là sur les aiguilles. C'est pas grave, on n'a rien vu. Ah si, ça y est, je retourne à 2 FPS. Est-ce que c'est les signaux alors? Parce que là, je viens d'utiliser les signaux. Parce que vraiment, hier, donc avant de, quand j'ai fait le village et tout, j'ai essayé de tourner le jeu pendant bien une bonne heure et demie, le temps de tout faire. Et j'ai vraiment eu zéro chute, quoi. Le jeu a tourné à 25 FPS en constant. Alors vraiment, là, je comprends pas. Ah, c'est revenu, mais... Ouais, je comprends pas pourquoi le jeu fait des chutes alors qu'hier tout allait bien à 25 FPS. Est-ce que c'est le record? Mais la dernière fois ça me l'a fait, même avec le record ça m'y a fait les chutes de FPS. Enfin, même sans le record, pardon, ça m'y a fait. Donc je sais pas. C'est un mystère. Hop, voilà. Hop. On va mettre de là. Et le terminus. Voilà, c'est quand même mieux avec les signaux, hein. Pas se cacher que là. Voilà. Alors. Donc toi, tu es sens unique. Toi aussi. Et toi aussi, voilà. Un truc que je voulais faire également, c'est, voilà, supprimer la bosse qui est là au milieu de la voie. Ah, ça veut pas, ok. Ok. Voilà. Bah écoutez, on peut fermer ça et remettre en play. Voilà. Et on peut finir d'admirer le parcours. Donc là, le tunnel. Vers Châteaudun. Suivi du pont. P
pour une fois, on a un train qui va à 156 km/h. Je crois que c'est le train le plus rapide, hein. Donc là, on est V160. C'est le train le plus rapide, c'est pas mal. La fameuse gare Terminus. Là, on prend du monde, là. On prend du monde. Voilà, je suis reparti à 2 FPS. Mais vraiment, hein, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que, ouais, j'ai fait des tests, tout allait bien, et là, ça va plus bien. Et la seule chose que j'ai faite différent, c'est de placer des signaux. C'est dingue, ça. C'est dingue. C'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Parce que quand tu veux que ça vienne, les FPS... Allez. Bon, vous savez quoi, on va cesser là-dessus pour cet épisode. Je vais essayer de chercher pourquoi ça va pas et essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Mais hier, quand j'ai essayé de chercher, ça allait bien et là, d'un coup, le jeu il dit stop quoi. Donc je comprends pas. Bon, merci de regarder la vidéo. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.